On entend souvent cet argument, on a bien le droit de critiquer Israël sans être anti-juif pour autant, sans être antisémite. Et c'est curieux parce que on ajoute parfois, on a bien le droit de critiquer la France sans être anti-français, ou de critiquer l'Angleterre. Sauf qu'on n'entend pas dans la vie, j'ai envie de critiquer la France, ou j'ai envie de critiquer le Brésil. On entend, le président français déconne, ou le premier ministre français, il a une bonne idée, ou il va pas bien, etc. Mais on ne dit pas, je veux critiquer la France. Donc en général, et c'est ça que je veux faire remarquer, ceux qui disent, on a bien le droit de critiquer Israël, donc à critiquer la politique israélienne, sans proclamer à coup de tam-tam qu'ils vont critiquer Israël. À moins que, sans le dire, il ne glisse tout doucement, et c'est ce qu'on remarque, vers une critique de l'existence de l'État d'Israël, l'existence d'un État juif. C'est ça qui les gêne. Et du coup, comme ils n'osent pas le dire, parce que ça ferait anti-juif, etc., ils disent non, il faut juste dissocier Israël de juifs. Or, Israël n'existe que parce que c'est l'État du peuple juif, et que le peuple juif a des liens millénaire, symbolique, historique, avec ce territoire et avec la résurgence de cet État. Avec les territoires d'ailleurs qu'on appelle occupés. Et j'ai remarqué que quelqu'un, pour qui je n'ai pas un enthousiasme fou, qui était Mitterrand, François Mitterrand, disait les territoires disputés. C'est-à-dire que c'est des territoires en cours de dispute, il y a une partie qui s'appelle la Judée, et il disait les Juifs ont le droit de disputer aux autres ces territoires parce qu'ils ont des droits dessus, notamment Jérusalem, etc. En tout cas, c'est en cours, c'est ouvert. C'est pas pareil que de dire territoire occupé, parce qu'en fait, on laisse entendre qu'Israël même est un territoire occupé, que normalement, il ne devrait pas y avoir d'État juif. Et du coup, ceux qui simplement critiquent Israël, la politique d'Israël, se trouvent critiquer l'existence d'Israël, se trouvent critiquer l'existence d'un État juif, et, comme le cas de Stéphane Hessel, se trouvent ramasser du fric pour alimenter des organismes qui organisent le boycott d'Israël. Le boycott d'Israël, le boycott d'un pays, c'est un truc immonde parce que c'est plus que du racisme et de la ségrégation, c'est vraiment s'en prendre à des gens qui travaillent et qui sont là où ils sont, en faisant pression sur eux, voilà, tant que vous ne disparaissez pas comme État juif, État hébreu, ben on vous boycotte. Donc disparaissez en tant que ce que vous êtes, et puis on vous aimera. Et bizarrement, j'ai reçu des mails qui m'indiquent que le boycott des produits juifs était une des pierres angulaires de la propagande nazie dès l'arrivée des nazis au pouvoir. Il y avait « Attention, allemand, n'achetez pas chez les juifs, vous êtes photographiés ». C'est-à-dire que déjà en 1933, il y avait le système des caméras ou des appareils photo qui photographiaient les gens qui achetaient. Ce qui veut dire aussi que s'ils menaçaient « Attention, ne n'achetez pas, sinon, etc. », ça veut dire que ce n'était pas évident pour le peuple de ne pas acheter. Ce n'est pas évident de boycotter des gens avec qui vous vivez, vous commercez, vous discutez, etc. Puis soudain, ah non, c'est juif, il ne faut pas l'acheter. Autrement dit, parce que j'ai entendu une émission avec Alain Badiou, Finkielkraut, etc. sur le thème, il y en a marre, vous trouvez de l'antisémitisme partout. Vous voyez, nous, on veut simplement critiquer Israël. Et puis, ils se retrouvent tout doucement sur une position où ils nient l'existence d'un État juif, où il est agacé par cette singularité de ce peuple qui, non seulement est singulier, mais donne sur l'universel, car c'est ça le génie de cette histoire biblique et autres, c'est que ce n'est pas que du particularisme sur lequel un peuple est cramponné, c'est quelque chose qui est singulier mais qui rouvre constamment sur l'universalité, où les autres se sont servis d'ailleurs, et pourquoi pas, et tant mieux. Et donc, tout doucement, voilà, et laissez-nous critiquer. Donc, sous couvert
d'un droit ben, qu'il est difficile de nier de toute façon. On ne va pas dire à quelqu'un, ah oui, vous critiquez. Chacun critique, et puis si vous lui dites, vous critiquez, vous aussi vous critiquez. Donc, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est une façon un peu sournoise, un peu hypocrite, d'avancer sous les banderoles éventuellement humanitaires à propos de Gaza, etc., pour ensuite dire « Mais c'est l'existence, cet État juif qui n'est pas normal !» Et justement, sa valeur, c'est de faire un trou dans la normalité. Parce que la normalité peut nous rendre fous. Il y a quelque chose du singulier qui renouvelle la normalité et qui peut-être nous aide à nous questionner sur nos cadres dits normaux.